Chaque semaine, dans le Screen Parfait, un réalisateur partage avec nous ses choix de mise en scène et par là même entr'ouvre pour nous les portes de son univers. Aujourd'hui, rencontre avec Louis-Julien Petit. Son premier long métrage, Discount, avait notamment reçu le prix du public à Angoulême et lors de sa sortie avait été salué par la critique unanime. L'histoire, c'est le combat d'employés d'un supermarché contre le gaspillage alimentaire et le culte du profit. Une comédie sociale généreuse, doublée d'un appel à la rébellion positive. Alors, Louis-Julien Petit, cinéaste engagé? Ouais, faire un film, c'est déjà militant. Solidaire! Solidaire! Et c'est le propos qui rassemble, en fait. Qui rassemble ou qui divise, mais en tout cas qui crée un débat. L'idée, c'est pas de juger, hein. c'est pas d'être moralisateur, c'est pas d'accuser, c'est de réfléchir. Louis-Julien Petit le sait depuis ses 13 ans, quand il sera grand, il fera du cinéma. Dans le cadre du lycée, il se rend même au Festival de Cannes où il sert de cavalier à Rosanna Arquette pour la célèbre Montée des Marches. Diplômé d'une école de réalisation, il signe son premier court-métrage à 21 ans et accède au plateau de grosses productions internationales comme Inception de Christopher Nolan ou Hugo Cabret de Martin Scorsese. À l'époque, il participe à la gestion des figurants. Ce bon élève occupe différents postes d'assistant metteur en scène et collabore ainsi avec Xavier Giannoli et Stéphane Frears dont il partage le goût pour le cinéma social. Un goût qu'il affirme donc avec son premier long-métrage, Discount, inspiré par des blogs de caissières de supermarché et par la mésaventure de l'une d'entre elles accusée d'avoir volé des coupons de réduction. Bon, Christiane, on va être clair, je ne veux pas vous prendre en traître. Je ne sais pas exactement quand les nouvelles caisses automatiques vont arriver, mais vous êtes une de nos plus anciennes ici. Il me paraît donc logique que vous soyez une des premières à partir. Mais ne vous inquiétez pas, rien n'est fait, je garderai les meilleurs d'entre vous. Souvent dans les comédies sociales, justement, ou dans les films, les drames, c'est un peu la misère au miséreux, c'est un peu misérabiliste. Moi, j'aime pas ça. Je trouve que la vie, la société est plus complexe que ça. Et surtout, tout n'est pas si manichéen. Ce discount, c'est une mine d'or. Imaginez qu'on puisse prendre de la marchandise pour créer notre magasin. Notre discount à nous. Tu veux qu'on vole? Non, j'ai pas dit voler, j'ai dit prendre. On sent qu'il y a vraiment à la fois une recherche et en même temps une volonté de saisir l'instant, puisque vous avez des acteurs pros, mais aussi des figurants du coin, je crois. Ouais. Donc il faut arriver à marier ça quand même, à marier une mise en scène travaillée et la spontanéité qu'on a envie de saisir. Voilà, mais on se marrait beaucoup parce qu'on n'arrivait jamais dans la séquence avec la même mise en scène. C'est-à-dire que j'avais envie de varier ça pour qu'il y ait une mise en scène assez nerveuse et qu'on soit assez surpris à chaque séquence. Il n'y a rien de pire pour moi quand je vais au cinéma et que je pense à ma liste de courses, quoi. Voilà. C'est qu'à un moment donné, on appelle ça le ventre mou. C'est à un moment donné, on décroche. On se dit, merde, qu'est-ce que je suis en train de voir, en fait? Ça, c'est dur pour moi. Moi, j'aime bien rentrer par un montage alterné pour mêler le son et l'image. Pour que le spectateur rentre dans l'histoire tout de suite. J'ai envie de montrer l'univers carcéral, que ce soit par le son et par l'image. Et surtout montrer un décompte. Ouverture du magasin dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ouverture. J'avais envie d'un réalisme esthétique. Je ne vais pas les citer, mais des films sur la grande distribution, il y en a eu pas mal. Et esthétiquement, c'était pas des choses que je recherchais. Moi, je recherchais des décors, par exemple, très épurés, un peu à la Jacques Tati. Et puis... On cherchait des références franchement anglaises, voilà. On peut le voir dans le discount, il y a des étalages de produits qui n'existent pas, il n'y a aucun prix, par exemple. Et c'est une réalisation qui est très dynamique. Je crois que vous tourniez 30 ou 40 plans, non, par jour. Ouais. Enfin, c'est, voilà, il y a une volonté de ne pas faire plan-plan. Il y a une volonté, en fait, on a des caméras qui sont tellement... performante. Maintenant, moi, je voulais, avec David Chambi, mon opérateur, on voulait travailler sur l'image plus que sur la lumière, en fait, et travailler sur une puissance de plan. Parce que moi, je préfère avoir 10 plans où je vais attraper quelque chose d'authentique, de spontané, dans le jeu, dans la figuration, dans tout ça, plutôt que d'avoir un plan stylisé. Mais il y a un plan, par exemple, un des plans de fin,
qui est un peu inspiré des plans de Cocteau, il y a une la surimpression entre Zabou Breitman et Corinne Maziero, on a mis 4 heures à le faire, parce qu'on était 18 sur le plan. Il y avait la déco qui avait fait une vie de centain, une fausse vie de centain, pour qu'on puisse derrière éclairer plus que le visage de Zabou, qui elle-même regardait le retour de la caméra de l'autre côté, devait se superposer avec le visage de Corinne Maziero. Ce plan avait énormément de sens et j'y tenais. Là où j'étais intransigeant, c'était sur le temps de travail, sur le temps de jour de tournage et sur la figuration. Voilà. Autant dans le casting que dans le nombre de personnes. C'est très rare un premier film avec autant de figurants. Momo, est-ce que tu as du tarama, s'il te plaît? Ah non, pas du tout. Il n'y a pas de tarama? On a du savon, si vous voulez. C'était important de mêler la figuration des acteurs non professionnels, une véracité, une authenticité, avec les acteurs, ce qu'on appelle les électrons libres. C'est-à-dire des gens qui ont conscience de leur personnage et qui ne le lâchent pas. Ceci, par exemple, Made in France. Made in France. Tu dis pas, t'as pas dit que c'était du trip d'épaisseur? Non, mais par contre, je te dis de me foutre la paix, c'est mon rire. Je voulais tourner dans le Nord-Pas-de-Calais, c'était important pour moi. J'avais passé 4 mois à Cambrai pour le film que j'avais déjà donné à l'origine. Donc c'était important. J'avais trouvé ça dans les figurants. J'avais trouvé une authenticité, une véracité qu'on trouve peut-être moins à Paris. Et je suis un amoureux des acteurs. J'aime les acteurs, mais les acteurs de complément, les seconds, les premiers. Moi, j'aime bien voilà, avoir une diversité en tout cas. Je te donne un ticket. C'est ton passe d'entrée, d'accord? Ça marche. Tu me donnes ça demain matin à 5 h, tu passeras avant les autres. Ok, no problème. Et eux, c'est qui? Ah, c'est Wally. Ouais. C'est pas dedans, France. T'as une bonne tête de délinquant, hein? Le système fait accepter les comédies ou les drames, mais rire de choses pas drôles, c'est vrai que c'est assez. C'est propre aux anglo-saxons, c'est propre aux italiens. Voilà. Moi, évidemment, c'est les films de Ken Loach, c'est les films de Stephen Frears, c'est des films qui ont été faits post-Thatcher, quoi. Post-société pressurisée, je trouve, quand on en est. Le parallèle, il est clair avec la France. Voilà, qu'est-ce qu'on fait quand un système nous pousse à être individualiste, à penser qu'à soi, etc. Ça, c'est une vraie réflexion. Mais c'est utopiste, hein, voilà, j'ai 30 ans, j'ai envie d'y croire. Hein. L'envie d'y croire tout en dénonçant toujours les travers du système. Louis-Julien Petit travaille actuellement sur l'adaptation d'un livre autour de la souffrance au travail. Ses héroïnes, Corinne Maziero encore, et Isabelle Adjani.